sais pas si ça ressortira en vidéo, mais les couleurs sont assez extraordinaires. Ça donne vraiment l'impression d'avoir attiré sur la lune là. Ma voiture, perdue au milieu de nulle part. On reprend la route tout doucement. Il me reste encore une vingtaine de kilomètres à faire pour arriver jusqu'à la pointe. Ben vous savez quoi? Moi, je vais aller voir un lac gelé. Allez, c'est parti! Ouais, il est bien gelé. Ouais, effectivement. Je pourrais aller dessus. Mais ça glisse! Ah, c'est dingue, hein. Oh, sur le lac gelé, mais c'est en train de... Oh, c'est en train de... Je vais peut-être partir quand même. Oh. Alors ce qu'on voit au loin, ça semble être le plus haut sommet de cette partie de l'île. On le voit, il est complètement enneigé. Et on est reparti face à ce magnifique paysage et sur une route qui n'est plus goudronnée. Essence en vue. Wow, le plein est fait. Par contre, je vais vous dire, je ne vivrai pas ici, franchement. On se pèle. Ça donne
donne un peu l'impression d'un village au bout du monde. Je pense qu'on va bientôt arriver à la pointe. J'ai bifurqué sur une petite route qui va nous amener au bout du monde. On longe des falaises. La route est de moins en moins facile. Petit à petit. Par contre, faut que je fasse attention, il y a vraiment des gros trous à certains endroits sur la piste. Il va pas falloir que je me plante ici quand même. Plus que quelques mètres. Maintenant, je vais continuer à pied dans le froid. Je dirais que le vent est un peu moins fort que tout à l'heure. Il fait quand même froid. Des roches volcaniques par terre. J'y suis au bout du monde. Ça y est, la nuit est tombée et je peux vous dire que j'ai vécu un sacré moment. Moi qui adore faire des road trips, ça a été une journée juste géniale quoi, vraiment géniale. Et maintenant, comme à mon habitude, j'en sais rien, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas où je vais aller. En tout cas, la journée n'est pas finie.